Bien, aujourd'hui, mawashitsuki, la technique préférée de tous les tueurs, le crochet. D'accord? Et on va faire ça, et on va faire anakajime, qui est un étranglement, comme technique de défense. Alors, regardez bien, on va faire deux formes. La première forme, on va rentrer ici, et on va dévier le bras vers le sol. Et on va venir se glisser derrière, pour passer ici. Alors, je sais, ça paraît un peu compliqué. Donc, 1, vers le sol, et lui, il va revenir pour me frapper. Voilà. Donc, concrètement, ça veut dire que cette main, elle va rester en haut. Vas-y, arme. Voilà. Comme ça, il ne peut pas frapper. D'accord? Si vous baissez son bras directement et que votre bras baisse, boum, ça va revenir. Vous n'aurez pas le temps de revenir le bloquer. D'accord? Donc, on vient ici, là, et là, surtout, en même temps que vous faites ce mouvement-là, mais ça va se faire tout en même temps, c'est pour ça que c'est une technique assez difficile. Hein. Voilà, donc ici, vous vous déplacez, vous sortez, et vous l'amenez. Et aussitôt, on le récupère ici, on place l'épaule derrière la nuque, la tête rentrée, et on vient faire ici, à la cagine. Étranglement, d'accord? Les deux mains comme ceci, l'épaule derrière sa nuque. Ça, c'est la première forme, hein, d'accord? On descend, fait attention à ne pas descendre la main, on se déplace, on accompagne sur le retour, et voilà. Hop! À la cage. Ok, on va le faire de là, de là, voilà. Ok, on va bloquer, il pousse. Ici, paume de la main vers le sol, épaule derrière la nuque, l'autre, la main gauche, paume de la main vers le haut, les deux mains comme si on faisait bravo, et on vient étrangler. Hein, c'est-à-dire qu'on est comme ça. Hein. La main, le coude, l'épaule sur le même niveau, hein, pas comme ça. D'accord? Un peu d'ici. Faire doucement. Donc là, vas-y, essaye de revenir plus vite. Voilà. Voilà. Première forme, ok? Deuxième forme, là vous avez vu qu'on a, voilà, on a poussé le bras vers le bas, avec les risques que ça implique, hein, si vous faites mal, hein, si vous laissez tomber ce bras ici, il y a le coude qui va revenir, il y a le poing, il y a tout. Il y a plein de visiteurs qui viennent vous voir. D'accord? Donc ici, on garde le contrôle de l'épaule. Ok, voilà. Okay. Et dès qu'il va commencer à pousser, pousse. Là, imaginez, il fait 130 kg, ce n'est pas le cas, hein, parce qu'il a perdu du poids. Mais imaginez qu'il fait 130 kg, vous le poussez jusqu'à la caméra là-bas. D'accord? Donc ici, dès que vous êtes là, déplacez-vous derrière lui, il rencontre le premier arme, et on vient le bloquer. Ok? Ça, c'était la première forme. La deuxième forme, on va pousser le bras mais vers le haut. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Pas plus compliqué, non. Mais il va falloir passer derrière lui. Et alors, pour passer derrière lui, on va venir chercher ici. Alors, attention, mettre de la force dans ton bras. Alors, il pousse. Vous voyez, ici. Ok. Position de la main. Voilà. Directement, s'il n'a pas bougé. Et sinon, on revient de la même façon que tout à l'heure. Alors, un point qui est important, c'est que ici, il ne faut pas qu'il puisse m'empêcher de passer à plus sur ma main. Si on a un on a un voilà. D'accord? Là, je ne passerai pas. D'accord? Donc, quand je suis ici, je me glisse, on se relève. Ok? Donc, la position. Voilà. Non, j'avais envie de me venger. Merci. Bon, voilà pour Anakajime. Il faut prendre le coup.